Yuno Yasai, au début, Yuno apparaît comme une enfant modèle, très intelligente, un avis simpliste en gros. On va vouloir s'intéresser à elle. Yuno est très féminine et est une fille plutôt timide. Elle va attirer l'attention, un peu la star de la classe. Ton autre facette de la personnalité montre qu'elle est en réalité une jeune fille froide, manipulatrice, pas intéressée, qui tue et donc voit la mort facilement. Sa première personnalité se manifeste généralement lorsqu'elle est en face de Yukiteru. Elle va utiliser toutes les méthodes possibles tant qu'elle assure sa survie, celle de Yukiteru. Junko Enoshima. Junko est née avec de nombreux troubles de la personnalité, maladie mentale. Elle a un tempérament qui varie souvent, ce qui lui donne des aspects de ne pas être lambda. Junko est la lycéenne d'élite, si vous voulez, un modèle de la société. Enfin oui. Son rêve étant petite était de se lancer dans la mode, le mannequinat. Elle devient petit à petit une figure de référence au Japon, grâce à son style unique, et ça on peut le dire. Elle vit par le désespoir, Junko est même prête à se faire souffrir pour pouvoir ressentir la sensation du mal, entre parenthèses. Misa Amane. Misa Amane est une fille dont les parents ont été tués suite à un cambriolage tragique, abattu par Kira. Elle lui en est donc reconnaissant, ce qui n'est pas normal, qui fera qu'elle tombera amoureuse de Lai. Comme lui, elle possède un Death Note, lui a été donné. Elle va tout faire pour satisfaire les besoins de Lai. Et un qu'elle paraît sympathique avec ce qu'elle rencontre, elle peut être assez désagréable, et ça la commu va le dire. Elle annonce qu'elle tuera toutes les filles avec qui Lai sortirait. Quelle tragédie, franchement merde, je voudrais pas être à leur place. Minatsuki était une fille normale avec la santé, alhamdoulilah, tout ça. Et un événement traumatisant durant l'enfance l'a amenée à devenir une menteuse, avec une personnalité sadique aimant manipuler les gens. Elle a même gagné des pouvoirs de branche du péché. Minatsuki vivait avec son père et son frère. Peu à peu, avec l'aide de ses pouvoirs, elle a commencé à faire croire à son frère que leur père la maltraitait physiquement et sexuellement. Naturellement, il a essayé de protéger sa jeune sœur en attaquant son père. Bien que leur père soit innocent, on se le cache pas entre nous, d'accord? Un jour, Minatsuki a fini par tuer son père et a manipulé son frère pour lui faire croire qu'il avait commis le meurtre. Quand je vous dis, elle est manipulée, c'est pas pour rien. Elle a ensuite été envoyée au Dead Man Wonderland, était confinée dans le quartier G. Bien mérité comme ça. Magane Shikyojin. Bon, j'avoue que j'ai mal prononcé, mais ça sentait absolument. Elle est donc une des créations amenées dans le monde réel, d'un naturel sournois, espiègle et sarcastique. Elle prend un plaisir pervers à manipuler et à jouer avec les émotions des autres, ça j'aime pas. En effet, derrière son apparence de lycéenne se cache une véritable meurtrière psychopathe au tempérament qui varie souvent. Elle tue des personnes aléatoirement sans réel objectif particulier. Malgré ses gères de jeunes filles mignonnes, innocentes, tout ça. Qui s'intéresse pas à grand chose en fait. Qui intéresse pas grand monde, on va pas se mytho. Magane est une combattante des plus redoutables. Son pouvoir se relie parfaitement avec sa personnalité et son intelligence. On peut bel et bien nommer de démoniaque. En fait, elle peut déformer la réalité grâce à des mensonges. Ça c'est balèze par contre. Et vas-y, il me faut ce pouvoir, je pourrais rater les cours en vrai.